Grégoire Coq-Jean, auteur jeunesse originaire de Franche-Comté, conçoit actuellement les personnages pour la collection des mystérieux mystères insolubles. Car j'ai bien connu le professeur Klutsch, qui était quand même une personne très très intéressante, hein, et bien que lunatique parfois, mais respectée de ses collègues. Et bien sûr, ses collègues, Jean-Claude, le canari de 53 kilos, John, le conducteur de la locomotive, qui, je le signale, ne marchait qu'en marche arrière, puisque la marche avant a été cassée. Et bien sûr, Laptop, le fameux chat qui avalait une souris d'ordinateur, pour circuit, et tout Wikipédia est rentré donc, en lui, et, qui est donc omniscient, et aussi un peu omniscient, mais ça c'est... Ensuite, Julie Ricossé, illustre illustratrice niçoise, dessinera patiemment leurs aventures. Absolument qu'on se fasse plaisir, que vous aussi vous fassiez plaisir dans la recherche d'images, des choses que vous avez envie de défendre. Donc, l'illustratrice, jusqu'à présent aussi, ça lui tarde que je lui envoie quelques lignes pour qu'elle puisse commencer, puisqu'elle a introduit en personnage. Si tout le monde se fait plaisir, à la fin, le lecteur, il s'y retrouvera. Lors de chaque aventure, le professeur Klutsch et ses compagnons devront résoudre un mystérieux mystère insoluble.